sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de Tyr. Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir... Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein? Tête. Là, voilà Tyr. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh... Ses yeux, ce sont des joyaux, comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès, ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin, je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir... C'est l'œuvre de Tyr. C'est lui qui a fait cette porte. Je pense que c'est là qu'Odin conserve ses meilleures pistes sur Jotunheim. Huh?
Atreus. Tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un ? Un vieillard. Quel vieillard ? On peut y aller ? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain ? Dit que Baldur était le fils de Freya. Mais oui ! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Mimir ? Oui, mon enfant ? Freya. Y a-t-il, mon frère ? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment ? Mais oui ! C'est l'évidence même ! Oh, je me demande bien depuis quand ? Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur ? Mimir ? Oui, mon enfant ? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur ? Ah bon ? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous... Nous le trouverons. Est-ce que c'est une arme ? Une armure ? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur ? Non ? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum, et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité ? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça ? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là ! Allez, au boulot ! Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme ? Bah, pourquoi pas ? Quoi ? Moi aussi, je peux changer. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température ! Chaudement ? Tu vas renforcer cet acier encore longtemps ? J'ai pas besoin de ça. Je vais tremper trois fois dans l'huile de drogueur. Oh. Tu vois ? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein ? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh ! N'oublie pas ça. Arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais... la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte, de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous ?
Nous n'avons pas que ça à faire. Son grand retour. Je vous avais pas dit que ça irait. Qu'est-ce que tu veux, nain? J'ai une nouvelle piste sur mon vieil ami Andvari. Retrouvez-moi dans les mines de Landsudder. Il y a un butin pas piqué des vers là-bas. Une nouvelle piste? Mais on l'a déjà trouvée. Enfin, on a trouvé sa main. Je vous expliquerai dans les mines. Celle-là se situe un peu au sud de la rivière. Bon. Vous voulez quelque chose, ou vous allez rester planté là comme deux poules devant une hache? J'ai retiré l'anneau de la main d'Andvari dans les mines de Volund. Cette crapule trafique avec les âmes, pratiquer des rituels obscurs et tremper dans des affaires louches. Le simple son de son marteau frappant le métal suffisait à raviver les flammes de ma forge. Oh là. Vous feriez bien de partir. Je suis tout émoustillé. Fièrement dans ma chien. On dirait que ça a marché. Je m'occupe de ça. Un truc pour le petit. Apportez-moi vite. J'ai des idées.
devine. Quoi d'autre? Que tu te sens soulagé. Et mon garçon ? Allez, autre chose. Allez, je serai là s'il y a besoin d'autre chose. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple.
Atreus, suis-moi. Désolé, je pense à autre chose. Mais oui, maintenant qu'on a la clé, on peut ouvrir la grande porte quand on veut. Explorons un peu. Ymir, pourquoi tu dis que Tyr se sentait coupable de ce qu'Odin a fait aux géants ? Il y eut un incident peu après que Mjolnir fut forgé, quand Tyr voulut organiser une rencontre diplomatique entre Odin et les Rohirrim. La Grande Guerre était encore jeune, la victoire semblait encore possible, et les Jotnar pouvaient faire pencher la balance en faveur des Val ou des Ases. Odin avait persuadé Tyr que le marteau n'était qu'un simple moyen de dissuasion, afin de négocier la paix en position de force. Tyr espérait convaincre chaque camp que la paix leur serait plus profitable. Il savait que les géants craignaient le marteau, une arme redoutable entre des mains dont ils se méfiaient. Tyr était de nature optimiste, et il croyait Odin sur parole quand il affirmait vouloir la paix. Il emmena donc le roi Corbeau à Jotunheim. Ensuite, tout se passa très vite. Les géants avaient vu clair dans le jeu d'Odin et mis au jour ses véritables intentions, s'approprier leur savoir secret. Grâce à leur magie, ils chassèrent Odin de leur royaume et l'en bannirent à jamais. Frustré, Odin tourna sa colère vers les géants de Midgard. Thor déchaîna la puissance de Mjolnir sur tous les géants qu'il croisait. Nul n'aurait pu empêcher un tel massacre. Enfin, avec l'aide de Tyr, les géants s'enfuirent. La tour disparut, plus un géant ne fut aperçu à Midgard, et aucun dieu ni aucun homme ne foula plus jamais le sol de Jotunheim. Tiens, regardez qui a décidé de se pointer. Parle à cet anneau. Quoi ? J'entends pas les pensées des anneaux, Brock. Il me parle ! C'est Andvari ! Ah, je le savais ! Il dit qu'il est allé dans les mines de Volun pour contempler son erreur. Mais le dévoreur d'âmes l'a attaqué, alors pendant qu'il se faisait déchiqueter, il a jeté un sort pour transférer son âme à l'intérieur de cet anneau. Et ensuite, il... Que sont devenus ces outils ? Quoi ? Andvari avait un atelier ici, rempli de babioles sophistiquées et d'outils décoratifs. Et il avait un marteau splendide. Est-ce qu'il t'a dit s'il était encore là ? Oh, tu l'as énervé. Prenez Andvari avec vous et allez jeter un œil. Si l'un de vous trouve son marteau, je vous concocterai un petit quelque chose de spécial. Hé, attendez!
Partez pas sans votre pierre de passage. Andvari n'est pas content qu'on ait pris son matériel. Je m'en moque. Je peux pas lui dire ça. Gaillard. Andvari dit que ce nain faisait partie de son clan et qu'il est mort par sa faute. Il a l'air... triste. Ce que ressent l'anneau n'a pas d'importance, Atreus. Ça lui a pas plu. Il nous dit de pas descendre là-dedans. Cesse d'écouter l'anneau, Atreus. On ne peut pas lui faire confiance.
Atreus. Je sais pas comment. Ah, Atreus, par ici. D'accord. Une autre carte, super. Dévoreur d'âmes. Et un vagabond. Tiens-toi prêt. Un dévoreur d'âmes fait ici. Comment ça, c'est ta faute? Atreus, ignore-le. Je peux pas vraiment l'ignorer.
monstre va déclencher une série de pièges. Oh!
épuisé. Écoute-moi, les hommes d'Andvari ont fait une chose terrible ici. Il est content que tu aies détruit son laboratoire et il regrette de nous avoir piégés. Son marteau est juste derrière cette porte. Atreus. Oui, père. Parfait. Je joue. On peut le garder? On en parlera au Nabo Bleu. C'est vrai. Andvari te remercie. Alors. Tiens, le marteau de l'alchimiste. Son esprit est très pénible. Ah, Andvari a toujours été un casse-béon. Mais c'était un sacré alchimiste. Donnez-le-moi, je vais le fondre. Quoi? Tu vas fondre ton ami? Donnera du chien à votre récompense. Vous n'en voulez pas? Père, on ne peut pas faire ça. Tiens, garde-le. Il est très utile, je te le promets. D'accord. Mais il a intérêt à me convaincre. Le petit a le cœur tendre, hein? Ah, ça lui passera. J'espère que tu ne disputes plus avec ton frère. Peut-être bien qu'il devient un peu moins pénible. Avec le temps qui passe. Mais j'en ai pas moins une clientèle à satisfaire, vois-tu? Ah oui? Qui ça? Bah, c'est pas la première fois que tu viens, si? Non, oui. C'est bon, entrez. Tant pis pour la tranquillité. Eh, sans rancune.